Bonjour, bonjour. Vous êtes bien sur Channel Scrap. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto pour fabriquer des petits hiboux. Donc, comme ceci, pour faire des petits hiboux comme ça. Vous voyez? Ils sont rigolos, hein? Donc, pour réaliser ce petit hibou, il vous faut différentes couleurs de feutrine. Les couleurs que vous voulez. Et moi j'ai pris un die de découpe que j'avais eu chez Action. Et c'était les die de la marque Joy Scraft. Donc voilà. Donc ceci est mon die. Comme vous pouvez voir. Ça c'est ma découpe, voyez. Alors ici, c'est le corps de l'hibou. Ici, une petite aile. Une petite aile. Son petit jabot. Ses deux petits yeux avec, avec ses yeux, sa figure. Et là, vous avez ces deux petits, comment? Vous savez, au-dessus, là, des petits sourcils. Et là, le petit bec. Donc, je vais prendre, après, avec ceci, il vous faut la machine de découpe. Donc, je prends ma machine. Voilà. Donc là, je mets ma première plaque. Je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Je prends mon petit bout de feutrine. Voilà. Je le mets sur ma plaque. Je prends mon petit die hibou. Et je remets mon autre plaque. Et hop, je passe dans ma machine. Un petit peu dur parce que c'est de la feutrine. Et puis là, je ne suis pas bien positionnée parce que j'ai changé ma. Ah bah oui, mais je suis pas. Il y a un petit hic. Non, je crois que c'est ça. Alors, un petit peu dur, mais ça va. Voilà. Cela, je suis pas. La machine n'est pas à sa place. Donc, j'arrive pas à retravailler comme je veux. Donc, voilà. Donc, je pousse tout ça. Donc, j'enlève mes petites plaques. Voilà mon die. Mon autre plaque. Et voilà ma découpe. Donc, j'ai plus qu'à soulever. Voilà. Une petite aile. Le petit jabot. Une deuxième aile. Ses petits yeux. Son petit nez rose. Son petit bec. Comme vous voulez. Ses deux petits sourcils. Et son petit corps. Voilà. Donc moi, je vous en ai préparé plusieurs. Donc là, nous allons reproduire une que j'ai fait. J'ai fait des petites découpes tout à l'heure. Vous voyez, j'ai fait plein de petites découpes. Ça, c'est plein de petits yeux, plein de petites ailes, comme ceci, différentes couleurs que j'ai fait. Voilà, petit jabot, tout ça. Enfin voilà. Donc, vous prenez votre base, le corps de la petite chouette, le petit hibou, pardon. Voilà, donc vous le positionnez devant vous. Vous allez mettre son petit. Ah non, en premier, je mets ses yeux, sa partie de yeux. Ouh. Voilà, donc je vais venir coller ça. Je prends ce scotch-là. Hop, je viens le coller. Ma partie des yeux ici en face de moi. Voilà. Ensuite, je viens positionner mon petit jabot. Voilà, son petit col, comme vous voulez. Je mets ici, point de colle. Hop, je mets ici. Je positionne juste en dessous de mes yeux. Ça vous donne ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Ensuite, je vais venir positionner mes deux petites ailes. Moi, j'ai pris rouge. Hein. Donc un petit peu là, juste un petit peu de scotch ici. Vous positionnez ces petites ailes ici, de chaque côté. L'autre côté. Vous en mettez très peu hein, de la colle. Pas beaucoup, ça sert à rien. Voilà, je positionne
mon autre petit aile. Voilà. Ensuite, je prends de la colle de chez Action, comme ceci. Je prends, alors moi j'ai pris des petits yeux de couleur, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, des blancs, ce que vous voulez. Donc, je viens mettre un petit peu de colle ici. Et puis, pour l'autre là, voilà. Je viens coller mes petits yeux. Hop. L'autre. Voilà. Vous les mettez l'un à côté de l'autre presque. Vous laissez un petit espace. Hop. Puis vous appuyez un petit peu votre doigt dessus, comme ceci. Ensuite, je vais y mettre son petit bec. Donc le petit bec, on va positionner juste en dessous des petits yeux. Un petit peu de colle. Ah, ça fait des bulles. Voilà. Vraiment très léger. Hein. Sans la feutrine, ça tient très bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous mettez le petit bec ici. Voilà. Ensuite, on va mettre ses petits sourcils. Moi, je les ai fait en noir. Donc, je vais mettre de la colle juste ici au-dessus de ses petits yeux. Juste là, dans le creux, comme ça au-dessus. Pareil, très peu. Ça ne sert à rien d'en mettre très peu. Hein. Vraiment, vraiment. Après, on est positionné. C'est les petits sourcils là. Hop. Une autre. Voilà, comme ceci. Et ma petite chouette est terminée. Et elle est toute mignonne. Regardez. Et je sais pas si vous voyez bien, attendez. Je vais mettre ça comme ça. Regardez. Hop. Et voilà ma petite chouette terminée. Donc, je me suis amusée à faire celle-ci. À faire une comme ceci. Mais voyez, là, j'ai mis un peu trop de colle et ça se voit. Donc, ça fait pas beau. Mais bon, on va... Je vais enlever le petit surplus et puis voilà. Allez, c'est rigolo avec les petits yeux qui bougent. J'aime bien. Et j'en ai fait une autre. Comme celle-ci. Voilà. Vous avez vu? C'est joli, hein? Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien m'amuser avec ces petits trucs-là. C'est rigolo. Donc, voici ma petite vidéo terminée. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Et dans cette prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une carte avec la petite chouette. Voilà. Ou petite chouette ou petit hibou, comme vous voulez. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.